Salut à tous, ici Kevin Lerner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo bilan achat numéro 25. Donc du coup, on va commencer. En fait, je vais vous montrer. Il y a 34 jeux que j'ai acheté et une console. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai acheté à peu près 10 jeux One, 4 jeux PS4, 17 jeux 3.6, 2 jeux Wii et 1 jeu PSP. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par la Wii que j'ai acheté à Micromania à 49€. Il s'agit de la Wii Rouge 25e anniversaire. Donc voilà. Donc je sors pas tout parce que j'ai pas envie de sortir les fils et tout ça parce que du coup ça sert à rien. Mais elle est complète et tout ça. Et elle fonctionne très bien. J'ai pas la boîte d'origine mais du coup j'ai tout le reste. Donc du coup c'est plus important. Et de toute façon bah, c'est les risques hein, quand on achète d'occasion. Il n'y a pas forcément les boîtes. Donc du coup je suis assez content pour cet achat. Donc j'avais envie de rejouer à la Wii tout simplement. J'avais la Wii noire avant et tout ça. Et c'est vrai que il y a des jeux qui me manquaient sur cette console, j'avais envie d'y rejouer. Donc du coup j'ai décidé de reprendre une Wii parce que bah, je trouve que c'est une bonne console. Voilà. On va commencer avec les jeux. Donc on va commencer avec le jeu PSP. Il s'agit de Arthur et Minimax que j'ai eu pour 4€. C'est un jeu que j'avais beaucoup aimé sur PS2 à l'époque. Et franchement j'avais envie de le refaire sur PSP. Donc du coup bah, je l'ai pris pour 4€. Donc c'est un jeu qui a été fait par Étrange Libellule. D'ailleurs, bah, ceux qui ont fait la Panthère Rose sur PS1, ceux qui ont fait Astérix Obélix XXL, et ceux qui ont fait aussi, si je me rappelle bien, du coup il y avait Spyro sur 360, ils ont fait aussi le Dragon sur 360, après j'ai plus tous les titres en tête, mais du coup c'est déjà pas mal. Et du coup voilà. Donc du coup ça complet. Bon malheureusement le truc il se casse un peu la gueule en fait ça tombe mais voilà bon c'est pas trop grave, c'est pour ça que je le tiens donc du coup complet et du coup bah franchement je suis content d'y rejouer sur la PSP. Voilà. Ensuite on va continuer avec les deux jeux de Wii. Donc du coup on va continuer ça je vais le foutre ici pas qu'il tombe. Donc on va continuer avec les jeux de Wii, donc du coup je vais continuer avec un jeu de Wii à 7,99€, le Dead Space Extraction. Donc c'est vrai que bon bah c'est les prix Micromania, c'est un peu cher, mais du coup c'est des jeux qu'on trouve pas partout, enfin après en tout cas pour moi, après je sais pas pour vous. Du coup bon bah je l'ai pris et voilà quoi, donc à me laisser tenter. En plus je sais que Dead Space c'est une bonne licence de base, et bon là je sais que c'est pas comme ceux de la 360, mais j'avais envie de me laisser tenter, et donc du coup j'ai pris le Dead Space Extraction. Sur la Wii, voilà, pour 7,99€. Ensuite, on va continuer avec un jeu que j'ai eu à 9,99€. Donc, du coup, j'avais déjà fait à l'époque, j'ai pas tout fait les jeux. J'ai pas fait celui de PS1, il me semble qu'il y en a un sur PS1, si je dis pas de conneries. Et moi, j'avais fait directement. Bah, je vais vous montrer déjà le jeu. Il s'agit de Tenchu Shadow of Assassin. Enfin, Assassin, parce qu'il n'y a pas de off. Donc, du coup, Tenchu Shadow Assassin, que j'ai eu pour 9,99€. Et j'avais fait à l'époque la Colère Divine sur PS2. Et c'est une saga que j'aime beaucoup. Et là j'avais envie de me le refaire. Donc du coup je l'ai pris pour 9,99€. Et comme ça j'enchaînerai peut-être avec la version 360. Donc Tenchu Z. Et du coup voilà. Donc du coup bah, je l'ai pris complet. Ah j'ai pas montré l'autre s'il était complet je crois. Il me semble bah, je sais plus mais dans le doute je le remonte. Complet. Et là du coup je vais montrer le Tenchu qui est complet. Voilà. Donc franchement je suis assez content d'avoir acheté ces jeux là parce que c'est des jeux que j'ai envie de me tenter. Et du coup bah on verra s'ils sont bien ou pas. Peut-être que j'en ferai une vidéo pour expliquer s'ils sont bien ou pas. Ensuite on va continuer avec une offre Micromania. C'était en gros deux jeux achetés pour 9,90€. Enfin un total de 20€ et au total du coup ça fait 5 jeux au total. Donc du coup en fait c'était 3 jeux offerts dans le prix des 20€. Donc en fait j'ai réellement sur 5 jeux j'ai payé que 2 et les 3 autres étaient offerts. Donc du coup j'ai acheté Donjon Siège 3 pour 9,99€. Donc là franchement je suis assez content, en plus c'est des jeux qui sont pas très communs sur la 3.6, surtout vers chez moi en tout cas. Donc Donjon Siège 3 pour 9,99€ complet en assez bon état. Je l'ai pris direct. Voilà. En plus. Je suis assez content pour la full set. Et du coup celui-là j'ai eu pour 9,99€. Ensuite on va continuer avec celui-là que j'ai eu aussi pour 9,99€, le Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generation. Oui c'est un titre à rallonge, c'est assez long à dire. Pour 9,99€, donc du coup à Micromania, pareil. Donc du coup complet.
et en assez bon état. Donc je suis assez content franchement. Moi je suis pas très Naruto, mais c'est vrai que pour la collection ça fait assez plaisir. Donc du coup bah je l'ai pris. En plus c'est vrai que les jaquettes franchement elles sont assez jolies. Donc du coup voilà, ça fait assez plaisir. Ensuite on va continuer avec, là c'est les 3 jeux gratuits du coup, dans le prix des 20€. Donc du coup bah là c'est les 2 jeux que j'ai achetés et là je vais montrer les 3 jeux du coup offerts. Donc du coup bon bah je l'ai pas payé 9,99€, il s'agit du Naruto The Broken Band. Donc qui est une exclue de la 3.6, en plus du coup j'ai, je sais pas s'il y en a d'autres Naruto exclus sur 3.6 mais ça m'étonnerait. Du coup bah je possède les deux, en tout cas le Rise of Ninja et celui-là. Donc je suis assez content franchement. Et du coup bah celui-là il est complet. Voilà. Et du coup bah franchement je suis vraiment content pour la full set. Donc ça fait plaisir pour ça. Voilà. En plus c'est vrai que la jaquette je trouve assez jolie aussi. Ensuite on va continuer donc avec encore l'autre jeu gratuit, enfin il en reste deux. Là, on va continuer avec le Dragon's Dogma, du coup, que j'ai pas payé. Donc voilà, je suis assez content aussi, complet, en assez bon état. Donc, franchement, ça fait super plaisir, les offres comme ça chez Micromania. Donc voilà. Ensuite, on va continuer avec un jeu, que j'ai, une saga que j'ai envie de découvrir et je ne possède pas encore le 1. Donc du coup, je peux pas savoir si c'est bien ou pas. Je commencerai pas par les autres dans le désordre. Donc du coup, je vais attendre d'avoir le 1 avant de commencer. Et il s'agit du Mass Effect 3 que du coup j'ai eu aussi gratuit. Donc voilà, complet. Avec les deux CD. Et la notice Electronic Arts qui est comme ça. Franchement, ça me fait pareil dans le SSX et dans d'autres jeux. Je sais pas si pour vous ça fait pareil. Mais du coup, voilà, ça fait pareil au niveau de ça. Donc je suis quand même assez content d'avoir trouvé le Mass Effect 3. En plus gratuit. Donc du coup, c'est assez cool au niveau de ça. Ensuite on va continuer avec la même offre, parce que du coup je sais pas le même jour que j'ai fait ça, c'est en 2 jours. Mais le problème c'est qu'il y avait un jeu qui était pas garanti et qui était, en fait le vendeur s'était trompé, il m'avait mis qu'un seul jeu au lieu de deux. Donc je suis assez dégoûté au niveau de ça, c'est pour ça que j'irai plus dans ce Micromania là, parce que j'ai été dégoûté après ça. Et j'avais acheté le même en plus sur One, et en plus du coup il était défectueux. Donc du coup j'étais vraiment dégoûté, j'irai plus à ce Micromania là. Donc le jeu c'était Dragon's Dogma Dark Arisen, donc avec les DLC et tout ça. Et du coup, enfin la version GOTY. Et franchement je suis assez dégoûté, parce que du coup il était, enfin je pouvais pas retourner parce qu'il m'aurait pas fait confiance, j'en suis sûr. Et du coup bah il était pas complet, donc j'étais vraiment dégoûté. Et donc du coup bah j'ai dû m'en débarrasser. Enfin je l'ai jeté, hein, j'avais pas fait autre chose avec. Donc du coup voilà, je suis assez dégoûté au niveau de ça. Mais du coup bah j'en ai acheté deux, et deux gratuits. Donc du coup on va continuer avec le Mass Effect 2 que j'ai eu pour 7,99€. Donc Mass Effect 2, voilà. Donc c'est pour ça qu'il me manque plus que le premier pour tester la saga. Comme ça je pourrais essayer de me trouver aussi la version One, le Andromeda. Et comme ça je pourrais faire tous les Mass Effect et ça pourrait être cool. Donc celui-là pareil, il a les deux CD. Et celui-là par contre il a pas le truc Electronic Arts. Il a vraiment la notice normale quoi. Donc je suis assez content pour 7,99€ franchement, c'est assez cool et en plus complet. Donc du coup franchement je suis vraiment content pour les achats que j'ai fait déjà là. Et là c'est pas tout, parce qu'il y a encore d'autres trucs qui sont vraiment pas mal. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les titres parce que du coup je prends trop de temps. Là Diablo 3 que j'ai payé 9,99€ complet. Voilà, donc, je suis assez content franchement. Là du coup les deux autres sont gratuits. Donc là j'ai acheté, enfin du coup non j'ai pas acheté, mais c'était compris dans le truc des 20€. Ace Combat Assault Horizon, donc un jeu de vaisseau, enfin de vaisseau d'avion de guerre. Donc du coup voilà, que j'ai pas pour la full set, donc j'avais envie de le prendre. Et donc du coup, chose faite, j'ai pris, voilà. Ils sont en assez bon état quand même, même s'il y a quelques-uns qui sont un peu rayés. Et là, celui-là je le connaissais pas du tout, et je l'ai pris, le Battle Station Midway. Pour 8,99€, du coup celui-là je parie, je l'ai eu gratuit, complet. Dites-moi si vous connaissez certains titres que j'ai présentés, s'ils sont bien ou pas. Moi perso je les connais pas ceux-là, et franchement je sais pas si je dois me laisser tenter ou pas. Mais en tout cas franchement je suis content, ils sont complets, et du coup ça fait toujours plaisir pour la full set. Ensuite on va continuer avec des jeux que j'ai achetés en cash, et puis certains Micromania, il y en a deux je crois Micromania. Bon bref, je vais vous montrer ça. Alors c'était lesquels?
Celui-là, je l'ai eu gratuit au Happy Cash près de chez moi. Parce qu'en fait, le jeu, il était quand même pas mal rayé et le mec, il savait pas s'il allait passer ou pas. Alors, dans le doute, il était à 1 €, mais il a dit bon, au pire, c'est quoi, je te le donne. Parce que du coup, ça sert à rien. Moi, j'en ai trop des jeux et on n'a plus de place pour les ranger. Donc, du coup, pour 1 €, il prend pas de risque, il me l'a donné. Donc, c'est le Front Mission Evolved. Donc, un jeu de robots. Il y avait un jeu comme ça sur 3.6 aussi, un jeu arcade un peu avec des robots comme ça. Et qui était pas mal. Et ça, c'est un peu dans le même esprit. Bon, après, c'est pas totalement. Enfin, c'est pas non plus totalement pareil. Mais du coup, voilà, je l'ai pris et du coup, gratuit. Donc, je suis assez content au niveau de ça. Complet. Complet, et du coup, voilà. Plus, un jeu Square Enix, je savais même pas. Là, j'ai pris aussi une boîte de DLC parce qu'il me manque le Fear 1 sur 360. Et donc là, j'ai acheté le Fear 5, donc l'extension du 1 en boîte. Donc là, j'étais assez content en plus pour 1 €. Bon, il est un peu rayé, mais sinon, il passe quand même bien dans la console. En plus, on peut jouer sans le jeu. Enfin, je veux dire sans le 1. Mais du coup, je commence pas à le jouer parce que j'attends de faire le 1. Comme ça, je pourrais enchaîner avec l'extension. Et je pourrais faire. J'ai déjà commencé le 2 et j'ai fini le 3. Mais du coup, je pourrais les refaire dans l'ordre. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, Fear 5 pour 1 €. Je sais plus si j'ai montré s'il était complet. Non, je sais plus. Bon, voilà, complet. Et du coup, je suis assez content pour 1 €. Ensuite, on va continuer avec un jeu que j'ai payé 5,99, je crois. Ou 4,99, je sais plus. Pareil au Happy Cash. Donc, Conan le Barbare. Donc, celui-là, assez content. En plus, il n'est pas commun. Et du coup, je suis assez content de l'avoir trouvé. Le seul truc, bon il est complet, mais le seul truc où j'en ai un peu marre, c'est que les caches ils se permettent d'écrire sur les CD. Donc là, je sais pas ce que le mec a voulu écrire, mais donc du coup voilà, c'est écrit au marqueur en plus indélébile. Donc du coup, je peux pas faire partir ça, c'est un peu dommage. Mais bon, dans l'ensemble, le jeu il fonctionne bien, complet. Un peu, je vérifie, mais il est un peu rayé. Mais dans l'ensemble, il est quand même complet et il passe. Donc du coup, c'est l'essentiel. Je suis assez content. Donc, Conan le Barbare. Ensuite, on va continuer avec un jeu que j'ai eu pour. Voici, j'avais mis le prix. Celui-là pour 2 €, Battlefield Bad Company 2. Donc, je l'avais en démat sur 3.6. Et là, du coup, je voulais le prendre en boîte. En plus, pour 2 € ça va. Donc, du coup, il est complet et en assez bon état. Donc, franchement, je suis assez content au niveau de ça. Donc, ça fait plaisir. Ensuite, on va continuer avec un jeu où il manque la notice. Je suis un peu dégoûté, mais bon, dans l'ensemble, je suis content d'avoir le jeu. Il s'agit pour 7,90 le Fatal Inertia, donc un jeu de vaisseau futuriste, un peu dans le style Wipeout ou truc comme ça. Du coup, je suis assez content, donc franchement, ça fait plaisir. Et celui-là, je pense que je me laisserai tenter. J'avais testé vite fait pour voir s'il fonctionnait, mais j'ai pas vraiment, je me suis pas mis à fond dedans, donc à voir, je me laisserai tenter. Et du coup, je suis assez content. Donc, comme j'ai dit, il n'est pas complet malheureusement, mais au moins, le CD il passe bien, donc je suis assez content au niveau de ça. Ensuite, on va continuer avec un jeu que j'ai payé. Là, il reste 3 jeux 3-6, donc du coup, voilà. On va continuer avec un jeu que j'ai payé 6,99 que je connaissais pas du tout et que je voyais jamais sur 3-6. Je me suis laissé tenter, bon, ça a pas l'air d'être un gros jeu. Je sais pas, après, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Il s'agit de Bullet Witch, donc du coup, j'avais pas pour la full set. Et du coup, je me suis laissé tenter pour 6,99, franchement, je prenais pas trop de risques. Et du coup, franchement, je suis assez content au niveau de ça. Ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, je l'ai pris. Voilà. Il est du coup complet. Voilà. Et du coup, ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, on va continuer avec un jeu que j'ai payé 15,99. Celui-là, j'ai mis un peu le prix parce que bon, malheureusement, je suis un peu dégoûté, il n'est pas complet. Donc, il faudra que je trouve la notice ou que je me rachète le jeu. Mais du coup, bon, j'ai pris 15,99. Du coup, il s'agit du Dark Souls 2 sur 360. Des jeux qui sont plus très communs maintenant. Et c'est vrai que là, je suis assez content quand même de la retrouver pour la collection. Donc, du coup, pas complet, hein, comme je le disais. Mais du coup, je suis assez content d'avoir eu Dark Souls 2. Ça me fait un peu chier au niveau du prix, mais bon, c'est les prix Micromania, malheureusement. Et du coup voilà, 15,99 pour le Dark Souls 2. Je sais plus s'il y en avait un, j'avais utilisé un bon d'achat. Oh, je sais plus. J'ai plus de souvenirs, mais je sais plus. Et le dernier, celui-là je le trouvais jamais sur 3.6. En même temps je le cherchais pas non plus. Mais je pensais même que c'était une exclu PS3 et en fait pas du tout.
Il s'agit du Devil May Cry HD Collection, donc qui regroupe le 1, le 2 et le 3. Donc franchement, je suis assez content d'avoir trouvé ça. En plus, du coup, j'ai le 4 sur 3, 6 et le DMC. Donc du coup, c'est-à-dire que je les ai tous. Et je suis assez content, franchement, d'avoir trouvé les 3 dans la même compilation pour 15,89€. Là, franchement, ça vaut le coup parce que du coup, il y a 3 jeux en un et en plus complet et en très bon état. Donc franchement, je suis assez content au niveau de ça. Là, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, pour 15,99€, voilà. Donc du coup, au niveau des jeux 3-6, c'était tout. Je vais essayer de les replacer de l'autre côté pour pas trop prendre de place pour remonter les autres jeux. Donc du coup, j'ai essayé de faire ça comme ça. Parce que du coup, ça prend de la place. Et 34 jeux quand même. Donc du coup, on va continuer avec, cette fois-ci, les jeux PS4. Donc il y en a... Bon, je montre pas s'ils sont complets ceux-là, parce que ça sert à rien. Ils sont pas complets spécialement. Donc j'ai acheté pour 11,99€, non je crois que j'ai utilisé un bon d'achat pour celui-là, je sais plus. Dans le doute, si il me semble que celui-là j'ai utilisé un bon d'achat. Bon bref, il s'agit du Fallout 4, donc pour 11,99€, voilà. Donc je l'ai sur One, mais je me laisserai tenter d'abord sur PS4, comme ça si j'aime, bah, je le ferai sur les deux. Si j'aime pas, je le ferai que sur PS4. Le fait que j'ai pas envie de commencer les succès, parce que c'est des jeux assez longs et chiants à faire. Donc on verra au niveau des succès. Ensuite, un jeu que j'avais beaucoup aimé sur la One et que j'avais envie de refaire sur PS4, il s'agit de Black Mirror pour 14,99€, un excellent survival horror. Franchement, j'étais vraiment content et du coup j'avais envie de le refaire sur la PS4 parce que du coup je l'ai fini sur One, il n'y avait plus aucun intérêt de le refaire sur One. Et là, comme ça, je pourrais faire le trophée platine. Du coup, voilà. En plus, ça se passe en Écosse, donc c'est vraiment cool. Attends, oui, il me semble que c'est en Écosse. Oui, c'est ça, en Écosse. Franchement, l'histoire elle est vraiment cool. Et ça, c'est un jeu que je vous recommande si vous le trouvez dans vos Micromania près de chez vous. Ensuite, on va continuer avec un jeu que j'ai payé 21,99€. Il s'agit de Naruto Ninja Storm 4. Donc voilà, sur PS4. Pour le faire. Et je le ferai aussi sur One, celui-là. Donc du coup, voilà. Donc le Naruto pour la collection. Et celui-là, c'était parce qu'il était en promo, il était en baisse. Au lieu de 50€, il était à 20€. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Je sais pas si je le laisserai sous blister ou si je le ferai. Dites-moi dans les commentaires si je devrais le faire ou pas, si je rate quelque chose. Il s'agit du Secret of Mana sur PS4. Donc du coup, que j'ai eu pour 20€ au lieu de 49,99€. Donc du coup, je suis assez content. Après, je sais pas trop ce que ça vaut, mais du coup, voilà quoi. Donc peut-être que je me laisserai tenter, je sais pas. On verra ça par la suite. Et ensuite, on va passer avec de la One. Est-ce que ça passe? Oui, largement. Je vais passer avec de la One et on va commencer tout de suite sans plus attendre. Donc j'ai acheté celui-là, c'est hier en neuf, Dark Souls 3 pour 10€ au lieu de 50€. Voilà, j'étais vraiment content. En plus, il est complet, il y a la notice et tout ça. Donc franchement, Dark Souls 3 pour 10€, ça vaut largement le coup. On va continuer avec un jeu que j'ai payé 14,89€. Là, je suis content parce qu'il y avait un code dedans, parce que c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion. Et il y avait un code pour avoir un contenu en plus, des armes, je crois, et puis il y avait quelques petits trucs en plus, je sais plus. Et du coup, celui-là, je l'ai payé 14,99€. Il s'agit du State of Decay, le premier. Donc voilà, franchement, je suis assez content de l'avoir pris, celui-là. Comme ça, je pourrais enchaîner avec le 2. Voilà. Donc il y avait un petit code ici que j'ai utilisé. Et du coup, voilà, pour le State of Decay. Ensuite, on va continuer avec un jeu que j'ai fini au niveau du mode histoire en normal. Je suis en train de le faire en difficile et je l'ai en démat. Je l'ai en démat sur One et je l'ai racheté en boîte pour la collection. Il s'agit pour 13,99€ de Rise of Rome, qui est un excellent jeu. Bon, c'est vrai qu'il est assez court, entre 8 à 10 heures de jeu. Bon, sauf si vous refaites toutes les difficultés que vous faites à 100% comme moi, c'est assez long. Faut compter plus d'une trentaine d'heures de jeu. Mais si vous faites juste le tour de l'histoire principale normalement, ouais, 8 à 10 heures de jeu. Voilà. Donc c'est un jeu très court de base. C'est un peu, on va dire, ça c'est le jeu vitrine de la Xbox One. Hein. C'est un peu comme le Killzone Shadowfall sur PS4. C'est des jeux vitrines. Mais franchement, celui-là, il est quand même assez bien et je suis vraiment content. Il est très très beau graphiquement. Et franchement, c'est un excellent jeu du coup de la One. Ensuite, on va continuer avec un jeu. Bon, bah, celui-là, je l'ai plus pris pour le côté full set. Ah, bah non, c'est celui-là. En fait, c'est pas le Fallout 4. C'est celui-là que j'ai pris avec un bon d'achat.
Bah d'ailleurs, le Dark Souls, en fait, je l'ai même pas payé le Dark Souls. Je l'ai acheté avec un bon d'achat hier. Oui, c'est ça. Et celui-là, je l'avais eu avec un bon d'achat, c'était la semaine dernière, il me semble, je sais plus. Il s'agit du Need for Speed Revolt, donc du coup, que je possède pas sur 3.6 et que je ferais que je me trouve. Et là, du coup, je l'ai pris sur One. Donc le Need for Speed Revolt, donc du coup, gratuit. Donc, franchement, c'est assez cool parce que du coup, ça me fait deux jeux gratuits rien que sur One. Et là, je suis franchement assez content. Ensuite, on va continuer avec celui-là, je l'avais fini sur 3.6 et j'avais envie de le refaire sur One pour le côté succès. Il s'agit de Disney Cars 3. Voilà, qui est vraiment quand même pas mal, il est vraiment cool. Moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les jeux Disney et Pixar et tout ça. Et franchement, celui-là il est vraiment cool, franchement je vous le recommande. En plus, franchement, 14 € à Micromania, franchement ça vaut le coup, surtout pour un jeu de One. Sur 3.6 ça fait un peu cher, mais sur One, franchement, c'est excellent et je vous le recommande. Celui-là, je ne l'ai pas encore commencé, mais je commencerai plus tard. Je l'ai eu pour 30 €, il s'agit de Vampyr. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'il vaut, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà commencé à le faire. Et moi j'essaierai de me le faire prochainement. Mais en tout cas voilà, du coup j'ai pris ça, qui a l'air pas mal du tout. Et je me laisserai tenter. Et franchement voilà. C'est tout ce que j'ai à dire au niveau de ça. Ensuite du coup on passe au Naruto Ninja Storm 4 sur Xbox One. Donc que je ferai aussi comme la version PS4. Je pense que je ferai juste le tour de l'histoire, je jouerai pas en ligne, je sais pas, je verrai mais. Ça m'étonnerait. Alors celui-là, franchement, je l'ai payé vraiment pas cher au Happy Cash. J'étais étonné parce qu'il était mélangé entre les FIFA. Et j'étais vraiment content. J'ai acheté le Prey pour 3 €. Donc franchement, très content. Franchement, celui-là, je me laisserai tenter. J'en ai entendu que du bien de ce jeu. Donc du coup, je me laisserai tenter. Mais pour 3 €, franchement, c'était vraiment une excellente affaire. Et je suis vraiment content au niveau de ça. Celui-là, j'ai mis un peu le prix parce que du coup, c'est un jeu qui a repris de sa valeur. Il était baissé à 14,99, il est remonté à 24,99, malheureusement. Mais en ce moment, je suis sur le 1 sur 360 et j'ai fini le 1 sur One il y a longtemps. Et j'avais envie de me faire le 2. Il s'agit de Lego Marvel Super Heroes 2. Donc, du coup, je l'ai pris pour la full set et pour y jouer parce que celui-là, j'ai envie de le faire. En plus, il y a des nouveaux personnages et tout ça. Donc, franchement, ça a l'air cool. Donc, du coup, bah. Celui-là, je vais me le faire prochainement, le Lego Marvel Super Heroes 2, qui a l'air pas mal. Donc voilà. Et ensuite, le dernier jeu de la One, parce que du coup, c'est la fin de ce bilan achat. Il reste le dernier jeu. Celui-là, j'ai payé 20 au lieu de 50. C'est celui-là pour le moment, je vais essayer sous blister, mais j'ouvrirai plus tard pour y jouer. Il s'agit de Final Fantasy XV édition royale, donc avec des contenus en plus dedans. Il y a des trucs de combat. Alors, il y a quoi dedans? Plus de 20 contenus téléchargeables, y compris FF15. Épisode Glazolus, épisode Prompto, extension multijoueur, frère d'armes, épisode d'Ignis. Et il y a quoi d'autre? Donjon étendu inédit, extension Ruine d'Insomnia, une nouvelle version d'Insomnia à la fin du jeu, comprenant des nouveaux événements. Voilà, il y a des trucs qui ont l'air assez cool. Donc du coup pour 20 euros au lieu de 49,99 €, bah du coup j'ai foncé direct. Donc du coup en plus je crois qu'il y a encore actuellement dans les Micromania à ce prix-là. Donc si vous le trouvez près de chez vous parce que c'est une promo nationale, n'hésitez surtout pas à aller voir parce que du coup pour ce prix-là ça vaut largement le coup. Pareil pour le Dark Souls et tout ça, c'est des baisses en ce moment et vous pouvez le trouver dans ces prix-là. Donc du coup ça c'est des promos nationales. J'avais vu quoi d'autre encore, bon je l'ai pas pris mais il y avait Call of Duty World of War 2, il était à 20 euros. Il y avait tellement de jeux à pas cher. Et du coup, voilà. Donc, franchement, regardez les Micromania près de chez vous en promo. Il y a quand même énormément de bons jeux. Et du coup, bah, celui-là, je l'ai pris directement. Donc, voilà, c'était tout pour ce bilan achat numéro 25. Je suis vraiment content d'avoir acheté tout ça. Il y a quand même pas mal de jeux. Plus une console. Donc, du coup, je suis vraiment content. Et du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et les jeux à lesquels je dois découvrir en priorité. Parce que c'est vrai que moi je peux pas tout connaître, donc je peux pas savoir. Ça se trouve, je passe à côté d'excellents titres. N'hésitez pas surtout à me dire. Et du coup, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Donc la prochaine vidéo sur ma chaîne, je sais pas ce sera quoi. Et sur Kevin Christo Show, je sais pas non plus. La prochaine vidéo sur Kevin Christo Show, ça sera Christo qui va la faire. Et du coup, bah, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Salut!